La passion, c'est plutôt le bois d'olivier. La forme, la couleur, les objets qu'on peut faire dedans, dans le côté naturel, le tourment du bois. C'est un tout, c'est une passion et c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Je m'appelle Jean-Paul Ben, dit JP pour les intimes. Et ma passion, c'est le bois. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mon père faisait déjà ça. Donc, tout petit, j'ai commencé à m'amuser dans la sciure, dans le bois. Puis après, j'ai commencé à bidouiller, à travailler. Mon père me faisait travailler l'été, me punissait à la ponceuse quand on faisait des bêtises avec mon frère. Et puis après, la passion est arrivée. Picasso était sur Valoris. Bon, il a travaillé sur Valoris, a fait ses débuts de céramique sur Valoris. C'était une personne qui était très ouverte. Moi, je l'ai connue très peu, mais je l'ai connue. C'était une époque où il se déambulait dans les rues, il était ouvert à tout le monde, il discutait avec tout le monde, agréable avec tout le monde. Et je pense qu'il a fait beaucoup pour Valoris. Je pense que ça a marqué la ville. C'est ce qui a permis à Valoris de se développer artistiquement et culturellement. Parce qu'au départ, Valoris était une cité de céramique culinaire. Et après Picasso, c'est devenu une cité de céramique artistique. Voilà, beaucoup d'artistes sont venus, Capron, Derval, Picot, enfin, les gens oublient. Hein. Voilà. Et ce sont eux qui ont fait la renommée de Valoris avec Picasso comme locomotive.